The following is a women's war games match. The rules of the match are as follows. Two teams will be contained in separate cages, with one member of each team starting the match. At regular intervals, alternating members from each team will be released to enter the match. The team with the advantage will be the first to have a member released into the match. Once all competitors have entered, War Games officially begins. The match can be won by pinfall or submission. Exiting the cage will result in a forfeit. Now, let the War Games begin! Le décor est planté. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce match War Games! Sur WWE2K23, il n'y a qu'une seule bonne façon de dire War Games. C'est en rugissant. Et là, je suis bien conscient que je l'ai mal dit la deuxième fois, en vous disant comment il fallait le dire. Mais c'est aussi pour préserver ma voix, parce que des vidéos, on va en avoir quelques-unes. Sur WWE2K23, en avant-première, j'ai donc pu tester le jeu en début de semaine, en allant à Londres, dans les locaux de 2K. On a été très bien accueillis par la branche Royaume-Uni de 2K. On a été guidé, bien sûr, par notre contact chez 2K France, Tom. Et donc on était quelques personnes à pouvoir, dans cette expédition, tester le jeu. On n'avait pas beaucoup de temps, cela dit, on avait une heure. On a pu quand même enregistrer notre propre gameplay, ça c'est plutôt cool. Et donc on avait quelques modes de jeu, quelques types de matchs qui étaient accessibles pour pouvoir tester tout ça. Donc évidemment, ce que vous allez voir, donc déjà été enregistré avant que je commente. Hein, je commente tranquillement dans ma chambre, à peu près 2 jours après le voyage. Sacrée expédition pour moi qui n'ai pas trop l'habitude de mettre le nez dehors, mais c'était bien. C'était bien de m'habituer un petit peu à voir des gens pour changer. D'ailleurs, je salue évidemment mes compagnons de route qui ont été absolument fantastiques. Messieurs Ajust et Chiro, Monsieur Coty, Tom, bien sûr, de 2K, Antoine, il me semble, journaliste chez... J'ai peur de dire une bêtise, donc je pense le savoir, hein, mais je vais quand même m'abstenir. Je vais pas balancer un nom de site au pif. On ne sait jamais, mais tous très sympas, évidemment. Sturi et Ali ont quand même manqué, eux qui n'ont pas pu venir. Donc Sturi de C'est ça le catch et Ali de Catch Club. Je me faisais une joie de les revoir et bon, ce sera pour une prochaine fois. Et avec un immense plaisir. Deuxième point important par rapport à ce gameplay, évidemment, la version du jeu qu'on a testé est une version démo, qui n'est évidemment pas la version finale. Donc on pourra voir quelques petits bugs par-ci par-là, qui ne seront peut-être pas dans la version finale, donc ce ne sera pas la peine de trop s'y attarder. Alors, pour ce premier match, War Games, vous pouvez voir peut-être que les cages des superstars qui ne commencent pas le match sont placées dans la foule, contrairement à la réalité où c'est plus du côté de la rampe. On a déjà vu d'ailleurs les deux superstars de chaque équipe qui sont dans des cages, on les voit, on distingue un petit peu leur silhouette. Asuka et Becky Lynch pour Rhea Ripley et Charlotte Flair et Ronda Rousey pour Bayley, qui est donc entré dans cette immense cage. Comme Rhea Ripley, on a vu une version légèrement altérée de leurs entrées, bien sûr, notamment pour entrer dans la cage. Un peu similaire au mode Elimination Chamber, puisqu'on a évidemment une structure qui va un petit peu empêcher certaines animations. Donc voici le début de ce match War Games, qui, je le précise bien sûr, est le tout nouveau type de match de 2K23. C'est quand même un détail assez important. Début du mode War Games dans la série des WWE 2K. Je joue Rhea Ripley, j'affronte Bayley, donc on ne verra pas les entrées pour les autres vidéos que je vous présenterai, bien sûr. Vu qu'on n'avait qu'une heure, j'ai préféré voir des entrées vite faites lors d'un match, et pour les autres, j'ai privilégié l'action, le gameplay. Donc de l'action, on va en avoir. Et on commence donc dans la cage. Et ce qui est chouette avec War Games, c'est que c'est typiquement le type de match où on va pouvoir être un petit peu créatif sans prendre trop de risques au niveau de l'extrême, puisque comme les règles l'indiquent, elles ont été rappelées tout à l'heure, il n'est pas possible de mettre un terme au match, de gagner le match, avant que toutes les superstars ne soient entrées dans le ring. Donc évidemment, je vais m'amuser à tester les interactions avec la cage dans un premier temps, vous le voyez. Comme pour les matchs en cage, dans 2K22, on peut porter les superstars, se diriger vers tout simplement une paroi et les balancer contre celle-ci. On va tester une autre interaction, un autre porté avec un autre mur de la cage. Donc c'est comme pour faire passer, c'est la même action que pour faire passer quelqu'un à l'extérieur du ring, sauf que vu qu'il y a un mur, et ben c'est un problème.
C'est un choc pour la superstar qui est portée, qui est balancée, et on peut même regarder balancer les superstars de l'autre côté, dans l'autre ring. Petite interaction fort sympathique, et on voit déjà une première superstar qui rejoint le ring, Charlotte Flair, qu'on a vu donc descendre l'escalier pour pouvoir rejoindre sa partenaire, Bayley. Donc je vais être en situation de handicap. Bayley qui attrape Rhea Ripley, qui tente un DDT, et j'aurais peut-être pas dû le contrer pour justement profiter un petit peu des interactions possibles avec la zone entre les deux rings, qui est une zone un petit peu particulière. On peut pas se déplacer comme dans un ring. On est un petit peu limité en termes de mouvement, et donc on a quelques prises qui sont prédéfinies, je pense, un petit peu comme dans les matchs Hell in a Cell, quand on est entre le ring et la cellule. Et malheureusement, Bayley a opté pour le retour dans un ring assez vite. On aurait pu tester un petit peu plus. Mais on peut évidemment taper par-dessus les cordes, attraper une superstar en passant par-dessus les cordes, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, justement, des cordes, qu'on soit sur un ring ou dans la zone entre les deux. Alors que nous avons quelques petits rappels. On a eu le petit rappel pour le ciblage manuel tout à l'heure. Donc, clic sur le stick droit pour changer de cible. Ça n'a pas changé. On a les paybacks qui sont de sales paybacks, des coups bas, des coups horribles. Donc on a le Poison Mist, évidemment. Donc le fameux Mist, par exemple, d'Asuka. On a le Power of the Punch, le point américain. On a également le coup bas, donc ça, ce sont des classiques au niveau des paybacks. Je pense pas avoir remarqué de nouveaux paybacks en jouant. On avait accès à quelques superstars, on n'avait pas tout le roster, bien sûr, donc il y aura encore plein de surprises. On avait accès à 10 superstars masculines et 10 superstars féminines. On va quasiment toutes les voir dans mes vidéos. Alors que Becky Lynch va entrer. Alors qu'on teste encore quelques interactions avec l'entre-deux rings. Charlotte Flair qui s'est retrouvé entre les deux, justement. Dans la zone entre les deux rings. Alors que Becky Lynch, vous voyez, ça c'est un détail évidemment croustillant de ce match War Games. On peut naturellement aller choper des jouets sous le ring. Et d'ailleurs, dans un autre match War Games, je vais tester ça, je vais contrôler une superstar qui ne va pas commencer le match, mais qui va arriver très vite parce que j'avais quand même envie de m'amuser, hein. Je n'allais pas regarder le match trop longtemps avant d'agir, avant d'être dans l'action. On peut évidemment aller chercher des objets sous le ring avant d'entrer dans la cage, naturellement, puisque les règles stipulent que quitter la cage équivaut à un forfait pour son équipe, mais tant qu'on n'est pas dans la cage, naturellement, on a le temps d'aller chercher quelques petits objets histoire de rendre le match un petit peu plus amusant, quoi. C'est vrai que War Games, c'est quand même un type de match qui est censé être chaotique, extrême, et bien sûr, c'est quand même censé être amusant, d'où le Games dans War Games. Parce qu'avec 6 superstars dans deux rings, évidemment, ça va être le bazar, ça va être la guerre. Mais je m'égare. De toute façon, c'est réaliste, puisqu'on a vu pas mal de superstars apporter des objets, justement, dans les différents rings de War Games, dans les matchs qu'on a vus l'année dernière, par exemple, et pas que, on a vu pas mal de matchs à NXT avec pas mal d'objets. Donc ça, c'est plutôt chouette de pouvoir choper quelques armes avant d'entrer dans le ring. À ce propos, la dernière superstar pour l'équipe de Bayley va entrer. Ronda Rousey va s'approcher. Et à ce propos, justement, on peut choisir quand même avant le match quelle équipe aura l'avantage, puisqu'on alterne à chaque fois d'une équipe à l'autre pour savoir qui va entrer. Et donc, on peut choisir l'équipe 1, l'équipe 2, ou un avantage aléatoire, bien sûr. Donc ça, c'est plutôt logique par rapport à d'autres types de matchs qui ont des ordres d'entrée aléatoires. Et donc pour ce match, je crois que j'avais laissé sur aléatoire. Et du coup, c'est plutôt bien, puisque au moins on avait... Oh ! Un désavantage pour mon équipe ! Oh, Bayley qui a tenté un gros plongeon. Et oui, interaction aussi classique. Des matchs en cage, Riptide ! Ça commence à s'enflammer, là. Il va falloir se concentrer un petit peu sur l'action. Ouais, c'est plutôt pas mal parce que vu que c'était une version test et qu'on était censé pouvoir un petit peu s'amuser, être un petit peu libre de tester des choses, l'IA était pas trop forte, donc c'était plutôt bien d'avoir deux IA contre moi au début. On va dégager Charlotte Flair de la corde, bien sûr, pour qu'elle aille entre les deux rings, et elle s'est même retrouvée de l'autre côté. C'est plutôt une bonne chose. Alors j'arrive pas trop à la rejoindre parce qu'on est un petit peu occupé avec Bayley et Ronda Rousey, mais c'est pas grave, un petit Riptide sur Bayley et c'est bon. Alors Asuka va pouvoir rentrer dans le ring, et on va pouvoir, cette fois, tenter de finir le match. Après avoir affaibli pas mal de nos adversaires, en particulier Bayley, bien sûr.
Alors que Casca, justement, va rajouter une dernière petite touche personnelle à ce match en apportant une arme. Une deuxième ? Oh, merci Asuka, merci d'illustrer cette autre possibilité. On peut ne pas s'arrêter à une seule arme, on peut en apporter une deuxième. Et on peut même, oh merci Asuka, en apporter une troisième. Alors que là, on voit deux superstars qui ont été balancées dans l'autre ring. Et on se retrouve maintenant quasiment toutes dans le ring de droite. Donc Asuka va entrer dans un champ de bataille désert. Oui, War Games a commencé. En tout cas, le match où on peut faire des tombées de soumission a commencé. Évidemment, Ronda Rousey très vite a tenté un premier tombé. Asuka rejoint le deuxième ring. Donc on a 6 superstars dans un seul ring. Effectivement, c'est un petit peu dommage. J'essaierai de temps en temps de déplacer le combat, mais pour l'instant, avec Rhea Ripley, je suis un petit peu occupé, notamment avec Bayley et Charlotte Flair. Je vais me retrouver étourdi d'ailleurs, donc je ne pourrai pas faire grand-chose. Il va se passer pas mal de choses autour de Rhea Ripley, notamment Asuka qui a tenté un petit tombé sur Ronda Rousey, qui a été interrompu par Bayley. Charlotte Flair et Becky Lynch qui se battent l'une contre l'autre. Rousey qui va décaler un peu la table sans la placer pour tenter d'utiliser. Donc ça, c'est la grande question. Va-t-on pouvoir utiliser cette table? Parce que là, le match va devenir évidemment totalement incontrôlable. Mince, on est interrompu par Ronda. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aurais peut-être dû, lorsque Bayley a tenté un grand plongeon du haut de la cage, j'aurais peut-être dû... Oh, lui voler son finisher, peut-être. C'est pas ça, mais on l'a fait. Rose Plant, avec Charlotte Flair qui galère à interrompre le tombé, et elle parvient à le faire quand même. J'aurais peut-être dû laisser Bayley placer son plongeon, parce que... elle a fait un effort pour monter en haut de la cage, pour plonger. Ça, c'est évidemment une interaction qu'on peut faire, c'est plutôt cool. Et c'est cool qu'elle l'ait montré. Donc j'aurais pu, pour la récompenser, la laisser... laisser infliger des dégâts à Rhea Ripley. Je n'avais pas trop d'inquiétude quant à ma potentielle victoire. Parce que vous voyez que Becky est en train de tenter un tombé sur Charlotte Flair. Et Bayley se retrouve une fois de plus projetée contre la paroi de la cage. Ça, on aura beaucoup testé ce genre d'interaction, c'est vraiment chouette. On va tenter un autre Riptide pour finir Bayley, qui est maintenant bien mal en point. Et on tente le tombé, bien sûr. Becky Lynch intercepte Charlotte Flair. Et Bayley parvient à se dégager, tandis qu'Asuka plonge plus la troisième corde, en s'aidant de la paroi bien sûr, pour fondre sur Ronda Rousey. Là, je vais tenter d'amener l'une de mes adversaires dans le ring de gauche, histoire de respirer un petit peu. Mais on est souvent gêné par les autres participantes. Bon, c'est pas très grave, parce que Charlotte Flair ne va pas poser trop de problèmes pour l'instant. Becky va monter à son tour sur la troisième corde. Je vais emmener Ronda Rousey de l'autre côté. Il y a moyen d'amener Charlotte Flair également. Asuka a tenté sa chance, mais Charlotte Flair a abaissé la corde, tandis que Becky Lynch est en haut de la cage, comme Bayley tout à l'heure. Et le plongeon touche Bayley justement, cette fois-ci. La cible n'a pas bougé. Becky tente le tomber. Flair est à terre. Rousey est beaucoup trop loin. Et l'équipe de Becky Lynch gagne ce match War Games. C'était une bonne entrée en matière, on a testé quelques interactions avec la cage, la zone entre les deux rings. D'autres interactions ont été montrées par l'IA. Donc merci beaucoup à mes partenaires, à Sky et Becky Lynch, merci à Bayley également qui a tenté des trucs. Et quand on y pense, ce type de match pourrait également se jouer en 4 contre 4, on avait accès qu'à la version 3 contre 3. Donc imaginez un petit peu le chaos encore plus intense que ce sera avec 8 superstars dans les deux rings, ça va être délicieux. C'est donc la fin de cette première vidéo en avant-première sur WWE 2K23 sur ma chaîne. Évidemment, j'en sortirai d'autres, je les sortirai dès qu'elles seront prêtes, tout simplement. En attendant la sortie du jeu le 17 mars pour l'édition standard et le 14 mars pour les autres éditions qui ont un accès anticipé. Évidemment, je regarderai un petit peu ce qu'ont fait mes collègues sur YouTube, leur gameplay à eux pour voir un petit peu ce que j'ai pu rater, éventuellement ce que je n'ai pas forcément testé. Prenez soin de vous, des bisous et à très bientôt pour d'autres vidéos sur WWE 2K23.